imaginez pas dans une seconde où c'est une plus grand athée qui existait dans le 20e siècle. Ou écrit environ 17 livres. Et en pile dans le livre, ça a basé sur athéisme. Ou vin célèbre parce qu'on fait plus que 50 ans pour parler de ça. Ou enseigné ça dans un paquet d'universités en Europe tant qu'en Amérique. Et puis, soudainement, on dit, on t'est trompé. Ça, c'est histoire Anthony Flew. Un grand professeur dans l'université Oxford et professeur tout dans paquet l'autre université en Europe. Monsieur passé plus que 50 ans à enseigner philosophie. Monsieur développé en pile argument sur question athéisme. Monsieur écrit environ 17 livres. Un livre qui vraiment populaire, monsieur écrit le présomption de l'athéisme. 2 ans avant monsieur mourir, monsieur publié un dernier livre qui titré Il y a un Dieu. En pile moun choqué, en pile philosophe choqué parce que m'se te célèbre par rapport avec question athéisme là, en bien m'se changé d'avis. M'se expliqué en détail dans dernier livre ça qui ça fait li changer idée. Et m'se te même ba yon interview avec BBC à l'époque pour te expliquer qui ça fait le changer d'avis. On nous regarder ensemble qui ça te fait m'se changer d'avis. On a regardé. Une question qui est pas m'se mentionné ça dans livre lien, m'se toujours poser question qui côté loi de la nature yo sorti. M'se dit loi ça c'est un coup yon force invisible qui a exercé sur la matière et l'énergie sans que yo même yo pas ni matière ni énergie. M'se dit c'est un coup un ensemble de lois qui était là avant même la matière et l'énergie. M'se dit li illogique pour des lois qui tellement vraiment complexes comme ça pour yo ta juste rester comme ça yo paraît de façon spontanée. M'se dit pas simple fait que y a des régularités dans la nature. Mais m'se dit régularité ça yo mathématiquement précis, yo universel et yo lié entre eux. C'est ça qui est parté monsieur. Un grand scientifique monde là te connait créé les Einstein, monsieur te rele loi ça l'incarnation de la raison. Une question qui perturbe Anthony Flew, c'est comment fait la nature li aussi bien organisée. Pas oublier que la science li basé sur une hypothèse que l'univers li vraiment rationnel et logique. Et grand pile athée qui affirme que les lois de la nature yo juste là sans raison. C'est des bagailles qui paraissent de façon spontanée. Monsieur dit lui-même en tant que philosophe et scientifique, le difficile pour lui accepter ça. Monsieur dit comment un univers qui dépourvu d'intelligence t'a supposé gain capacité pour lui produire des êtres vivants qui intelligents pour reproduire et avec propre code chimique yo ça que nous relé ADN nan. M'sieur dit yon univers qui dépourvu d'intelligence pas ta supposé ka produit un système tellement intelligent. Ça son bagay qui illogique, son bagay qui impossible. Lorsque m'sieur tombé sous ADN, ARN, m'sieur son système codage qui vraiment complexe, compliqué, m'sieur dit non, ça pas capable venir du hasard, ça pas capable venir du néant, gagner yon intelligence supérieure qui derrière toute bagay ça. Pour conclure, m'sieur dit dans livre là, li plus logique pour li croire yon intelligence supérieur qui te mettait toute bagaille ça en place. L'être humain, la vie, l'univers est tellement bien organisé, compliqué et vraiment bien charpenté. Lorsqu'il y a regardé ADN, ARN, un système codification qui est vraiment complexé et bien organisé, il s'est dit non, ça n'est pas capable de venir du néant ou bien du hasard. Il y a un philosophe qui a plus que 50 ans de carrière qui déclare ça. Même Jean, un texte dans la Bible qui dit « En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. » Anthony Flew mourit dans l'année 2010, mais quête intellectuelle avec philosophique, monsieur a mené pendant toute carrière, li te fini par mener monsieur à croire que il y a un Dieu qui existait. Et au même.